disparité économique entre les États membres est liée sans doute encore plus au sentiment qu'on progresse ou on ne progresse pas. Et puis il y en a une autre qui est apparue vers 2015, qui est une fracture liée aux attitudes vis-à-vis de l'immigration. Alors, on s'est livré de la même manière à des analyses factorielles dans lesquelles on dégage un axe 1 et un axe 2. C'est les deux axes principaux qui, en général, expliquent 70 à 80% de l'ensemble des relations entre les variables. Donc, ça pèse. Hein. Et alors, on a là des attitudes négatives à l'égard de l'immigration, et de l'autre côté, des attitudes positives ou moins négatives à l'égard de l'immigration. Et puis, l'axe vertical, lui, oppose une acuité perçue du problème, le problème est très aigu, ce sont les réponses les plus extrêmes qui se projettent vers le bas, à une moindre acuité du problème. Bon, je ne vais pas passer les points qui permettent d'expliquer ça, je vais essayer de vous expliquer le principe. Hein. On regarde ce point-là, ce point-là, ce point-là, c'est les réponses à quoi? Ah ben tiens, ce sont les gens qui expriment leur défiance la plus grande à l'égard de l'immigration. Mais ce qu'on va regarder plus en détail, c'est où se projettent les pays vis-à-vis de ça. Bon, donc axe horizontal, attitude positive ou moins négative à l'égard de l'immigration sur la gauche, et attitude négative vis-à-vis de l'immigration sur la droite. Et puis, le degré d'acuité perçu du problème. Sur la droite, vous trouvez tous les pays, presque tous les pays, nouveaux adhérents de l'Union européenne en 2004 ou en 2007. Donc les pays d'Europe centrale et orientale pour l'essentiel. Les plus remontés à l'égard des questions d'immigration, ceux qui rechignent le plus, ce sont les Tchèques et les Slovaques. Et puis vous avez ici les Lettons, les Estoniens, les Hongrois, et de façon moins exacerbée, des gens comme les Roumains ou les Croates. Les Polonais aussi. Encore que les Polonais, dans l'attitude de leur gouvernement, ne soient pas vraiment ouverts. Bien. Et puis vous avez, de l'autre côté du graphe, vous avez les pays d'Europe occidentale qui sont plus ou moins ouverts ou plus ou moins non fermés à la problématique des migrations. Bon, les Français sont très proches du milieu des axes, par exemple. Alors, ceux qui sont les plus ouverts ou les moins fermés, c'est par exemple les Suédois, dont on sait, et ils sont de 9,5 millions d'habitants, les Suédois, et ils ont accueilli un très très grand nombre de migrants et de réfugiés. Vous avez les Espagnols. Les Espagnols, c'est très intéressant. On avait fait des études il y a déjà une quinzaine d'années sur les Espagnols et l'immigration, et on voyait et les Espagnols et la perspective d'ouverture à d'autres États membres. Et on voyait que les Espagnols avaient conservé très fortement le souvenir d'avoir été un pays d'émigration, donc d'envoi de populations qui avaient été accueillies dans d'autres pays, et que d'une certaine manière, ils ressentaient comme une espèce de devoir moral à leur tour d'en accueillir d'autres. Très intéressant. J'aime bien les Espagnols. Les Portugais sont proches des Espagnols avec un petit peu le même passé de pays d'émigration, d'émigration et d'intégration parfaitement réussie dans les pays où ils sont. Ils sont ici, les Portugais, hein, tout à fait. Bon, voilà. Je passe, hein, on ne va pas regarder tous les pays, mais vous voyez cette opposition Est-Ouest, en gros, qui est intéressante. Et qui est intéressante et qui recoupe finalement les positions des gouvernements. Là, vous avez le sentiment des citoyens moyens. Et on voit, et c'est bien un problème, que les positions qu'on pouvait penser extrêmes des gouvernements polonais, hongrois ou autres n'étaient que la position de ces gouvernements, mais on voit quelles sont ces positions largement partagées par la population moyenne, ce qui nous pose un problème plus sérieux que si c'était simplement « attendons que le gouvernement change ». Et puis,
Chose intéressante pour finir, le seul pays de l'Ouest de l'Europe qui se situe avec les pays les plus réticents, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Ça, c'est une enquête. Les données sortant de cette enquête datent d'avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel dont on connaît les positions. On pouvait, d'une certaine manière, pressentir en voyant ça que les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates traditionnels italiens auraient du mal à se maintenir au pouvoir face à cette réticence très très grande de la population en général vis-à-vis du problème de l'immigration. Bon, voilà ce qu'on peut dire en gros. Et si on essaie d'en tirer des questions pour l'avenir de l'Union européenne, on a affaire, malheureusement, à une hétérogénéité croissante des positions, hein, que ce soit les frustrations de nature économique qui pèsent entre l'Est et l'Ouest, mais qui pèsent aussi entre le Nord et le Sud. Les frustrations liées au traitement ou au non-traitement, ou au traitement non souhaité par certains du problème de l'immigration. Et puis, il y a également des complexités supplémentaires dont je vais dire un mot. Vous voyez tout à l'heure que les Scandinaves, par exemple, hein, les Suédois, les Danois, de façon un petit peu moins nette, les Finlandais, les Nordiques, les Estoniens aussi, hein, qui étaient dans le même paquet, et qui ont tendance à avoir une mentalité de type scandinave aussi, et un peu comme les Tchèques vis-à-vis de leurs voisins immédiats, d'avoir un certain sentiment de supériorité vis-à-vis de leurs voisins immédiats eux aussi. Bon, que ces gens-là se situaient parmi les pays les plus euro-favorables, mais quand on prend d'autres questions, d'autres indicateurs que je n'ai pas repris ici sur les graphiques, comme par exemple le souhait que la vitesse de la construction européenne s'accélère, pardon, c'est un pléonasme, augmente, ou que, on prenne davantage de décisions au niveau européen plutôt qu'au niveau national, et ceci également avec des questions annexes sur un certain nombre de domaines de politique dans lesquels on leur demandait s'ils souhaitaient qu'on prenne davantage de décisions en commun dans chacun de ces domaines. On voit ces euro-favorables, suédois ou danois notamment, se situer parmi les plus réticents à ce qu'on prenne davantage de décisions en commun. Donc un panorama qui est diablement complexe. Et par rapport à l'époque de 85, là, où j'ai commencé mes investigations, eh bien, l'hétérogénéité est terriblement plus grande. En 85, une des raisons du succès du plan de Delors, c'est Delors, avec toutes ses qualités, mais c'est aussi le fait qu'on avait à la tête des pays européens des dirigeants de grande qualité. Bon, en France, on avait Mitterrand, après Giscard, tous les deux étant considérés comme des dirigeants pro-européens, sans aucun doute. Hein. En Espagne, on avait Felipe González, au Portugal, on avait Mario Soares, en Belgique, on avait Wilfried Martens, aux Pays-Bas, on avait Ruud Lubbers, en Allemagne, on avait Kohl. Tous ces gens-là voulaient aller dans le même sens et voulaient aller de l'avant. On avait seulement Madame Thatcher, qui elle ne voulait pas trop aller de l'avant, mais par un effet qu'on va appeler un effet pervers positif, a concouru aussi à une plus grande unité entre les autres. Parce que quand le Conseil européen se réunissait et que, à 12, à cette époque-là, puis à 15, et que Madame Thatcher arrivait avec l'intention de dire non à toutes les propositions d'avancée, même si tous les autres n'étaient pas forcément d'accord au départ, au début de la réunion, à la fin de la journée, Margaret Thatcher les avait tellement exaspérés qu'ils faisaient bloc contre elle et que les trucs passaient et ça avançait. Bah, eh oui. Bon, donc, on est dans une situation aujourd'hui qui est malheureusement beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicate. Hein. Alors,
On va être 27 bientôt, tout au moins je l'espère. Écoutez, moi, je suis un peu plus âgé que les jeunes gens qui sont là-bas, mais j'ai le souvenir très très net de la conférence de presse du général de Gaulle, après avoir reçu M. Macmillan, avec qui il avait d'excellentes relations pendant la guerre, Macmillan qui était Premier ministre du Royaume-Uni, et qui venait pour la deuxième fois solliciter l'entrée dans la communauté européenne, après que les gouvernements britanniques avaient essayé de la torpiller en montant l'AELE, organisation parallèle, qui n'a pas connu un grand succès. Et De Gaulle, redisant non pour la deuxième fois, et ayant cette conférence de presse, j'ai dit au Premier ministre britannique, comme Édith Piaf dans la chanson, ne pleurez pas, Milord. Bon, eh bien, à mon sens, le général avait raison. Parce que les Britanniques n'ont cessé d'essayer de torpiller la chose, ou au moins d'avancer, de nous empêcher d'avancer. Les Britanniques, et on le voyait dans les premières études qualitatives en 86 sur ce sujet, les Britanniques étaient favorables au projet de relance européenne, mais ils y voyaient simplement un level playing field, c'est-à-dire un marché dans lequel on va pouvoir jouer à concurrence pure et parfaite, égale. Le reste leur était indifférent, ou même ils y étaient défavorables. Je crois qu'il y a eu un seul Premier ministre britannique qui était sincèrement européen, c'était Edward Heath, celui qui a fait entrer le Royaume-Uni dans l'Union, au temps où le président français était Pompidou, et où Pompidou a mis fin au veto gaullien sur l'entrée du Royaume-Uni. Alors, est-ce que Pompidou a eu raison? Je ne sais pas. Je pense que, pour un propos qui s'évade un petit peu du cœur du sujet, que tout président de la République française, ou presque, après De Gaulle, a eu ou s'est senti en déficit de légitimité par rapport au grand Charles. Et que gagner un référendum, hein, finalement, c'était se donner un peu de légitimité. Et je pense que c'était sans doute une des raisons de la décision de Georges Pompidou de tenir un référendum sur l'entrée du Royaume-Uni. Bon, après ça, Giscard n'a pas fait de référendum. Il a été prudent. Mitterrand en a fait un. Ah, pour Maastricht, qu'il a failli perdre. Et Chirac en a fait un qu'il a perdu. Bon, ensuite, je pense que l'idée de faire un référendum va sans doute entraîner beaucoup de prudence dans les décisions de nos dirigeants. Voilà ce que je peux dire. Je suis à votre disposition si vous avez des questions et si je ne vous ai pas trop ennuyé. Une question un peu technique, est-ce que l'Institut Eurobarometer fait lui-même toutes ses enquêtes avec des personnels propres ou est-ce qu'il sous-traite? Non. Et comment se passe, je dirais, la déontologie qui est derrière les opérations menées sur ces enquêtes? Bon, je me suis mal exprimé. Eurobaromètre, c'est le nom de l'outil. La Commission n'a pas d'enquêteurs salariés qui mènent ces enquêtes. Il y a des appels d'offres tous les 4 ans maintenant, et à la suite desquels le choix d'un prestataire de services pour l'ensemble de l'Europe est fait. Avec des conditions extrêmement strictes. Bon, il y a plusieurs outils en fait. Hein. Il y a l'Eurobaromètre standard, enquête face à face, ce qui devient extrêmement rare de notre temps, hein, où les instituts ont tendance à faire de plus en plus des enquêtes par Internet, sur lesquelles je conserve pas mal de doutes et pas mal de réserves moi-même, pour des raisons que je peux expliquer si ça vous intéresse. Il y a par ailleurs des eurobaromètres spéciaux qui sont moins fréquents sur des sujets particuliers. Il y a des eurobaromètres flash qui sont menés par téléphone.
L'enquête téléphonique est un processus, un procédé tout à fait admissible, mais qui est plus souple et qui peuvent se déclencher plus facilement et plus rapidement lorsqu'on veut obtenir des réponses à l'occasion d'un événement particulier, d'une crise, d'une nature violente. Et puis, il y a aussi un eurobaromètre qualitatif, tout au moins il a existé. Cet eurobaromètre qualitatif, j'ai eu le bonheur d'en être le titulaire pendant 12 ans, avant d'être déplacé, parce qu'après tout, inévitablement, vous ne pouvez pas espérer rester en place pendant un siècle, et la loi de la concurrence a fait que j'ai été remplacé par d'autres, mais depuis un an ou un an et demi, pour des raisons qui restent mystérieuses, il semble que la Commission ait décidé de ne pas renouveler les appels d'offres des eurobaromètres qualitatifs. Alors, déontologie, ce ne sont pas des salariés de la Commission qui font les enquêtes. Mais il y a des processus de contrôle de qualité qui sont extrêmement stricts, qui sont mis en œuvre par la Commission sur le prestataire de service, les prestataires de services. Évidemment. Est-ce que, avez-vous déjà posé la question suivante aux différentes populations? Pensez-vous que votre État est cohérent avec l'Europe? Parce que moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que les hommes politiques me critiquent toujours Bruxelles. Quand ça ne va pas, c'est Bruxelles. Ils oublient toujours de dire que les décisions étant prises pratiquement tout le temps à l'unanimité, ils ont été, comment dirais-je, participants à la décision qu'ils critiquent. Si oui, et ça, jamais, j'ai jamais entendu un homme politique français le dire. Alors, ou comme pour, par exemple, l'immigration, on a voulu faire Frontex, mais finalement, les États ont dit non, de nos frontières, on s'en occupe. Donc après, quand il y a des migrants qui viennent, on dit, bah, écoutez, vous allez vous en occuper, bah, vous en occupez. Tu sais, il y a quand même, est-ce qu'on on met le doigt sur l'incohérence des oui. États? Bon, alors, votre question est fort mal posée, hein, techniquement. Parce que, est-ce que vous pensez que votre pays est cohérent avec l'Europe? C'est pas une critique, hein, mais ça peut être interprété de tas de manières par des tas de gens différents. Maintenant, sur votre propos de fond, je vous rejoins totalement. Hein, et si vous voulez que je m'exprime avec vivacité, je dirais que les dirigeants de nos pays, pas tous, mais beaucoup, y compris les dirigeants de notre pays depuis bien longtemps, sont des crènes de pute dans ce qu'ils racontent à propos de l'Europe. Et dans la plupart des cas, vous avez une mise en cause des gnomes de Bruxelles, hein, disant, c'est Bruxelles qui nous force à faire ça, oubliant qu'au Conseil, ils ont voté pour cette décision. Ce sont des lâches, des salopards. Pardon ? Mais est-ce que dans vos enquêtes, vous ne pouvez pas le faire ressortir, si vous voulez lui dire, bah, le faire ressortir. Bon. Attendez. D'abord, techniquement, ça ne serait pas très facile. Et puis, il y a quand même des limites. Hein. La Commission européenne peut faire beaucoup de choses, mais elle peut difficilement, politiquement, diplomatiquement, se livrer à une critique ouverte du comportement d'un État membre, publiquement. D'accord ? Bon. Donc ça, elle pourrait difficilement faire. Elle ne peut pas poser aux Français, pensez-vous que votre gouvernement se comporte comme un salopard vis-à-vis de l'Union européenne ? Elle ne peut pas. Il y a une asymétrie, si vous voulez, en France, vous voulez, on a des partis politiques, quand un parti dit quelque chose, on a toute l'opposition qui dit non, c'est enfumage, qui critique. Tandis que là, Bruxelles n'a pas les moyens, si vous voulez, d'influencer le public. Bon, une réponse, ou deux réponses à ça. D'abord, une anecdote. Je me souviens d'avoir été... Oui, très vite. D'avoir été dans un train de Bruxelles avant le Thalys, bien avorté, on était 12 dans l'Union européenne, et je me trouvais dans le compartiment avec trois hauts fonctionnaires français qui se rendaient, très hauts fonctionnaires français, qui se rendaient à une réunion européenne. Et ils m'énervaient un petit peu par ce qu'ils disaient, et je leur ai dit, un peu énervé moi-même, écoutez, le problème de l'Europe, hein, c'est qu'il y a 12 États membres et qu'il n'y a que 11 balles dans un peloton d'exécution. Bon. Donc, mais réponse sur le fond quand même. Il y a des limites politiques à ce que la Commission peut faire. Il y a aussi des limites
budgétaire. La Commission a, pour communiquer vers le vaste monde, hein, un budget, je l'aurais dit une fois sous forme de plaisanterie, vous avez pour communiquer toutes vos vertus, tous vos projets vers le vaste monde, à peu près le budget qu'a Coca-Cola pour communiquer au Luxembourg pour le changement d'étiquette de son Coca-Light. C'est un peu exagéré, mais les moyens budgétaires et financiers sont très limités. Une constatation déjà, tu me donneras l'adresse de ton boulanger, parce qu'en 99, mon boulanger vendait la baguette 1 franc, maintenant il va avoir 1 euro, donc ça fait en gros... Bon, on n'a pas le même boulanger. Bah oui, bah moi je suis dans la banlieue de Versailles, je suis pas à Versailles. Moi je suis dans l'extrême fin fond de la brousse des Yvelines Ouest. Hein. Et mon salaire n'a pas augmenté d'autant. Après, question, qu'est-ce que tu penses de l'attitude des Anglais et comment vois-tu l'Europe, sans les Anglais? Bon. D'abord, je vais revenir dans le passé. Si on avait eu l'Europe sans les Britanniques, on aurait pu progresser beaucoup plus vite sur certains sujets dans lesquels ils ont semé des pommes de discorde et ils ont retardé les choses. Hein. Alors, prenons un exemple, l'euro. Vous savez que trois pays dans les anciens États membres n'ont pas adopté l'euro, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark. Bon. Il est inimaginable que la Suède et le Danemark aient pu dire « nous, on ne veut pas de l'euro » si les Britanniques n'avaient pas été dans le même sens. S'il n'y avait pas eu les Britanniques, ils seraient dans l'euro. Un exemple, c'est sûr. Et, bon, et pour les projets de nature sociale, hein, développement d'un embryon d'Europe sociale, les fonds structurels dont je parlais tout à l'heure, donc la politique de cohésion, de solidarité envers les plus riches et les plus pauvres, les Britanniques ont tenté en permanence de retarder et de gêner les choses. Donc, s'ils n'avaient pas été là, on aurait progressé plus vite. Maintenant qu'ils ne sont pas là, j'espère que le Brexit va se faire. Ils vont partir, c'est sûr. Ils ont l'air tellement capables de prendre des décisions énergiques et rapides qu'on peut avoir des doutes. Hein. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, une chose. Hein. Quand on demande aux Européens, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que le Royaume-Uni s'en aille? Ils disent non. Non, ce n'est pas une bonne chose. Bon, ils pensent sans doute, avec à juste titre, que ça va créer de la confusion, qu'il va y avoir des déboires économiques beaucoup plus pour les Britanniques que pour les autres, bien sûr. Hein. Mais en même temps, depuis que les Britanniques ont voté pour partir, on a vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, les attitudes de la garde de l'Union dans tous les autres pays qui sont montées. Donc on ne peut pas dire que ça ait engendré une crise du moral vis-à-vis de l'Union européenne, pour le moment. Bonjour. Est-ce que la Commission mène des enquêtes ou des sondages sur l'adhésion des pays en fonction des catégories socioprofessionnelles et quels en sont les résultats? Oui, alors, c'est pas en fonction de... Mais est-ce que vous avez fait un peu de stats les uns les autres? Non? Oui? Bon, je parlais tout à l'heure d'échantillons représentatifs dans une enquête par sondage. Si on prend les tables de la loi, un échantillon représentatif est un échantillon aléatoire, c'est-à-dire tiré au hasard, aléatoirement, dans l'univers. Alors, pour le faire de la façon la plus... conforme au dogme, il faut avoir une table de nombres au hasard et la liste des individus de l'univers. Si c'est 50 millions de Français adultes et électeurs potentiels, ben il faut avoir la liste des 50 millions et puis une table de nombres au hasard, une table qui est sans doute informatisée maintenant. Hein. Je crois que c'est le phénomène aléatoire qu'on a utilisé longtemps, c'est les fluctuations de la fréquence de l'émission d'une lampe de krypton, je ne sais pas combien. Un phénomène totalement aléatoire. Et vous tirez au hasard, et la magie du hasard fait que vous avez un échantillon parfaitement représentatif. Cet échantillon parfaitement représentatif va comporter la bonne proportion d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, de cadres, d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés de chaque profession, quel que soit le critère,
vous tombez sur cette bonne proportion dès lors que votre échantillon est assez nombreux pour qu'on puisse invoquer la sainte loi des grands nombres. Hein. Maintenant, ce n'est pas forcément facile d'utiliser l'échantillon aléatoire parce que, un, pour tirer aléatoirement dans une base de n individus, dans une liste de n individus, il faut avoir cette liste. Et dans un pays comme la France, personne n'a le droit d'avoir cette liste des citoyens, des Français, sauf l'INSEE, qui n'a pas le droit, qui l'a de par ses recensements, mais qui n'a pas le droit de la communiquer à quiconque. Donc, un échantillon aléatoire, au sens le plus dogmatique du terme, en France, de la population d'ensemble, c'est pas possible. D'accord ? En revanche, si vous êtes, je ne sais pas moi, Renault, et que vous voulez faire une enquête auprès de vos clients, vous avez cette liste et vous pouvez tirer aléatoirement. Il y a bien des cas où on peut le faire. Alors, comment est-ce qu'on s'en tire ? Il y a une technique qui est parfois utilisée, qui est celle de chemin aléatoire, en anglais « random route », hein, où, au lieu de tirer des gens dans une liste, on tire au hasard des lieux, des communes, des régions, des communes, des îlots dans la commune, et dans chaque îlot, des adresses. Et dans chaque adresse, un processus qui vous amène aléatoirement à un habitant de cet immeuble. Hein? Par exemple, celui qui est le plus à gauche au 7e étage. Voilà, pour prendre un cas. Et vous reconstituez un schéma aléatoire. C'est pas toujours très facile à mettre en œuvre. J'ai connu des cas, et j'ai eu à utiliser des cas de ce genre, dans des endroits où il était impossible d'utiliser la méthode du tirage aléatoire sur liste, et où il était impossible aussi d'utiliser la méthode des quotas, dont je vais vous dire un mot dans une seconde. Et ce pays, c'était les enquêtes que j'ai faites avec mes partenaires libanais à Beyrouth, hein, au Liban. Alors, Liban, évidemment, pas de connaissance de la liste de la population. Le dernier recensement date des années 50, je crois, et depuis, il est politiquement impossible d'en faire un seul, parce qu'il n'y a aucun moyen que les chiites et les maronites et les sunnites acceptent de se compter. Bon, donc, on peut pas. Et puis, on ne peut pas non plus utiliser la méthode par quota, je vais vous dire un mot tout à l'heure, et donc, on était conduit à utiliser cette méthode-là, parce que, malgré tout, il y avait une assez bonne connaissance de la structure urbaine, malgré les destructions. Alors, méthode par quota, elle consiste à faire quoi ? Dans le dogme, dans les tables de la loi, elle n'est justifiée par rien. Mais pragmatiquement, après des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'enquêtes, on a pu constater qu'elle fonctionnait et qu'elle donnait la même fiabilité. Elle consiste à reconstituer la structure de la population en plus petit. Vous avez 51% de femmes dans la population, 49% d'hommes. Vous allez déterminer que dans votre échantillon, vous voulez les mêmes proportions. Et idem selon les critères de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle. En France, on prend les régions, grandes régions, et de la taille de la commune, qui est un indicateur souvent intéressant. Et on reconstitue, selon chacun de ces critères, la population d'ensemble. Alors, mettre en œuvre la chose, c'est moins simple que le dire.